Bonjour, aujourd'hui je vous propose un fondant au chocolat cuit à l'autocuiseur. Donc pour ça, il vous faut 60 g de sucre, 2 œufs, 20 g de farine, 10 g de maïzena, 60 g de chocolat et 60 g de beurre. Nous allons commencer par mettre 4 carrés de chocolat de côté. Et le reste du chocolat, nous allons le mettre dans le beurre pour le faire fondre. Un petit récapitulatif. Alors, nous allons séparer les jaunes des blancs en clé blanc pour les monter en neige. Et les jaunes, on va mettre le sucre dedans et on va les blanchir. Alors, quand c'est blanchi, ça prend un petit peu de temps, bien 2 à 5 minutes. Nous allons rajouter la farine et la maïzena. Là, nos blancs ont monté, nous allons rajouter la moitié du sucre. Et quand le chocolat et le beurre ont fondu, nous les rajoutons à la préparation œuf, sucre, farine. Donc voilà notre pâte qui est prête. Les blancs d'œufs avec le sucre qui est prêt, nous allons les incorporer délicatement ensemble. Voilà, notre pâte est prête pour être versée dans des moules. Elle est bien aérée. Vous prenez les moules, vous les beurrez un peu et nous allons les mettre à 3/4. Quand c'est fait, nous allons mettre les petits carrés de chocolat bien au milieu. Bon, on essaye. Là, il n'y a pas besoin de les enfoncer. De toute façon, ils vont descendre tout seuls. Et là, nous allons les mettre à cuire avec un papier d'alu par-dessus pendant 8 minutes. À l'autocuiseur. Quand c'est fait, voilà nos gâteaux. Donc 8 minutes, regardez comme ils sont beaux. Je vais les démouler à chaud. Donc vraiment, c'est important, ça se démoule tout seul normalement à chaud. Donc on prend bien ces précautions parce que c'est vraiment brûlant. On essaye de bien les démouler. Voilà. Ah. Et voilà mon gâteau qui est bien coulant, regardez. C'est délicieux, vous le faites à la dernière minute avec une petite crème anglaise. Et ça, c'est génial. Regardez comme il est beau, il donne envie de manger. Bon appétit, merci d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt, abonnez-vous, au revoir.